bifurcation. Le beau de Christophe face à Laurent. Christophe, tu veux jouer avec Moscato ou Evan GP? Alors, je vais jouer avec Evan GP, pardi. Et pardi. Oh. Christophe, Marie et Christophe, Pierre. T'es d'où, Christophe? Contre Laurent, Vincent et Sarah. C'est parti. Kikalier, un peu court là, 7 minutes, donc intense. Attention. On est à la bourre. Ouais. Vincent, tu nous as mis en retard. Et oui, oui, mais nous, on avait tellement de choses à dire sur l'actualité d'aujourd'hui. Que... Tout à fait, Vincent. Kikadi, ils ont vendu l'âme d'une épreuve historique. Cédric Pioline, Yannick Noah. Yannick Noah, putain, oui, c'est ça. J'ai cherché. Ouais, Yannick Noah. Et t'avais l'air de chercher comme moi, pareil. Je savais que c'était le tennis. Alors, ça fait 1-0 donc pour l'équipe de Laurent. Voilà. Bravo, ma poulette. Bien joué. Un petit kick à parler, une voix qu'on connaît bien, qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs, qui fait toujours beaucoup parler. Comment ça va, monsieur? You turn our hero into a poor man's Justin Bieber. Shame on you. Non. J'ai reconnu. Refais. Bien sûr que tu l'as reconnu, Pierrot. Attends. On va vous le repasser. C'est Roumat? Non, c'est pas Olivier Roumat. Ah bon, ils ont à peu près. Jamie Colmore. Ils ont peut-être le même âge. Ouais, je sais pas si c'est le même âge. Non, c'est quelqu'un qui est qui est en plein délire. On écoute. You turn our hero into a poor man's Justin Bieber. Shame! Mais je reconnais! Mais tu le reconnais, bien sûr! Chabal! Léger accent marseillais quand même! Chabal! Pas rugby! Picabolo! Ah, mais c'est qui? Il est plus populaire! En Grande-Bretagne, Eric Dimeco? Dugarry! Non, Chinola! Vous vous rapprochez de Thierry Henry! Manu Petit! Il a joué avec Dimeco, ça c'est sûr! Thuram! À l'OM! Boli! Mais non, Cantona! Mais oui! Bien sûr. Bravo Marie. C'est avec son accent pourri en anglais. Donc, mais oui. Eric Cantona qui t'a laissé délire. Quand on a pas peur, on tapisse. Bravo Marie. Égalité un partout. Excellent. Marie, Vincent, face à face. Aïe. T'as crevé Marie, attends toi. Je veux juste le nom de famille, d'accord? Parce que c'est compliqué sinon. Ouais. Qui a créé la Coupe Davis? Davis. Et voilà, réglé, Brotra. Bravo, bel essai, bien essayé. J'ai honte, mais j'ai honte. Dwight Davis, 1900. Brotra. Bah, c'est bien tenté. On me dit bel effort. Suzanne Lenglen, je sais pas. Ah ouais, Davis, quand même. 2-1 pour l'équipe de Christophe, Marie et Pierre. Neymar. Pierre Mioni, je ne sais pas comment il fait. Je ne sais pas si c'est parce qu'il m'engueule comme un papa. Bruno, il arrive à me motiver pour m'entraîner le matin et jouer les week-ends. J'ai besoin de ça pour être performant. C'est un joueur qui accompagne le top 14 depuis de nombreuses saisons maintenant, qui est anglais, mais qui parle très bien français puisqu'il a grandi en France avec son frère. Il a gagné beaucoup avec Toulon. Bien sûr. Hermitage. Oui. Dylan Hermitage qui joue au loup. Ça revient pas ça. Les deux, vous l'avez eu deux coups, mais ça venait pas. Ça venait pas quoi, Hermitage. Il est toujours là en top 14, il joue arrière au loup. Je sais pas, c'est moi qui l'a. Non, ils ont été élevés à Nice. Oui, c'est des petits niçois britanniques. Dylan Hermitage. C'est ça qui m'a perdu parce qu'en fait j'avais Hermitage, mais quand il a dit qu'ils ont grandi en France, je. Et lui, il a tout gagné avec Toulon, champion d'Europe. Le score, c'est 3-1 pour l'équipe Christophe Evan GP d'Orient. Dylan Hermitage, il est né en 83. Ouais, 35 piges. Et oui, pour une carrière BFM TV. Et oui, pour nous. Qui qu'a dit? Il fait ce qu'on appelle une offre de service. Il est candidat, il dit « Je suis prêt pour The Voice ». Il a envie de devenir jury à The Voice, le mec. Ah, jury? Ouais. Renaud. Il a une jolie voix. Franchement, ça fait longtemps qu'il tourne dans la musique française. Julien Doré. Jules. Un peu plus vieux, un peu plus d'expérience. Christophe Maé. Pas Christophe Maé, mais il a une voix un peu plus simple. Ah, Vianney. Corse. Fiori. Ah, ouais, Fiori. Maryse, bravo. Bien joué. Et Maryse, là. Bravo. Elle est là. Excellent, 4 à 1. Non, mais moi je m'en vais faire équipe avec Vincent, ça va pas du tout. Il est pas capable de se souvenir d'un prénom de quelqu'un. Non, il est très bon aujourd'hui. T'aimes bien Patrick Fury, Vincent? Toi, tu balances. Patrick Fury. Fiori, ouais. Tu l'as pas? Fury, ouais. Tu l'as pas? C'est excellent. Super.
Vous aimez pas vous. Oh là là. Si, il est gentil, c'est un gentil mec en plus. Il fait le voice pour les gamins. Oui. Pour les petits. Les voice pour les gamins. Ouais, ouais, il fait les voice pour les gamins. Ouais. Bon. 4 à 1 donc pour l'équipe Christophe et VanGP d'Orient. Il fait les voice pour les gamins. Qui est je regarde un mec, je voulais vous le dire depuis longtemps. Je regarde Chuck Norris qui fait des pubs. Oui, il est gonflé. Écoute, il est gonflé comme un lapin. C'est pour ça que c'était un acteur qui imitait Chuck Norris. Il est gonflé comme un lapin. C'est pour ça qu'on t'éteint les télés quand tu es dissipé. C'est que tu n'es pas là pour commenter ce que tu regardes. Tu es là pour faire une émission radio. Je préfère le dire, Pierrot. Mmh. Ça va mieux le dire. 4 à 1 en attendant. Qui qu'a dit ? Montpellier a son destin entre les mains, mais on veut lui rendre la fin de championnat canaillé. Très difficile. Karabatic. Karabatic, ouais. Parce que Paris a battu Montpellier hier. Ah, tu vaux pas une tulle non plus. Hein. Je dis ça, ouais. Nicolas Karabatic. Ouais, mais enfin, entre nous, le seul point, c'est moi qui le ramène. Hein, 5 donc, 1. C'est moi qui... Ça sent la raquette. Ouais. Hein. Ouais. Tiens, question auditeur, on va voir ce que ça vaut. Christophe et Laurent. On va voir si t'es chou, non. Fais-nous démarrer, Laurent. Christophe et Laurent. Et par contre, il faut mettre Christophe et Laurent à l'antenne, s'il vous plaît. Ça dort plus que jamais. En régie. Là, on c'est le week-end. Tu l'as ? Alors, en football, qui est l'entraîneur du New York City FC ? Et il est très connu. Oh, et t'avais pas autre chose. Oh, New York City. Il est connu parce qu'il est champion du monde Beckham de foot. Non, il est champion du monde de foot. Non, pas Thierry Henry, mais il est très copain. Arsenal. Arsenal, Arsène Wenger. Thierry Henry, non, un milieu de terrain exceptionnel qui traversait le terrain. Il faisait ce qu'on appelle du back-to-back, je crois, dans le foot anglais. Arsenal, légende d'Arsenal, capitaine avec l'époque Henry, l'époque Robert Pires. Champion du monde. Champion du monde français. Ouais. Il a débuté à Cannes. Vieira. Oui. Ouais. Mais merde, c'est Laurent. Pas c'est Laurent. Bravo Laurent. C'est pas Christophe. Voilà. C'est pas Patrick Vieira. Il est coach à New York, c'est pas mal. Ah, c'est sympa. Il doit se régaler. C'est Apple. The Apple, oui. The Apple. Apple, c'est les computers. C'est les computers Apple. Trois pyros, trois The Apple. Ah bah oui, The Apple. BFM TV. La dernière. Pour l'honneur, Vincent. Le 10 mars. Ouais. Le 10 mars. Dans quelle ville se trouvera Emmanuel Macron ? New York ? À New York. Non, visite d'État. Washington. Non, ça c'est plus tard. C'est plus tard ça. Là, c'est là, ça Londres. C'est Moscou. Il est reçu par le Premier ministre qui s'appelle Narendra Modi. En Inde. C'est réglé. Dans la ville à Bombay. New Delhi. Ça va arriver. Allez, c'est gagné pour Christophe. T'es nul. T'as rien trouvé. Christophe, c'est gagné. La semaine de vacances sur un.